Ouais, c'est ça, on fait les notes là, on termine. J'aimerais bien faire les dernières là, il nous en restera plus que deux après. Avec beaucoup de préparation, puisque c'est la réunion et la cafetech. Donc là, il va falloir de la préparation. Là, c'est bon, hein, juste des bouteilles de plongée, le basilo, tranquille. Attention, Omégalodon. C'est bon, tu suis? Été beaucoup plus près, j'ai mal le... calculé. Donc là on va au 53,92. J'espère pas. J'espère pas. Ah sinon bah on va les taper hein. On y retourne. Hein. Maintenant ils me disent 53,92. Grotte sous-marine, non? C'est pas une caverne. Sinon c'est caverne sous-marine. Je crois, ouais, il me semble. Espoir perdu. C'est caverne, ouais c'est ça, c'est des cavernes. Ouais, je pense, attends. Caverne sud, sous-marine, j'en sais rien. On verra bien. Voilà, là on approche du 53. Ouais, je pense. Oui, parce qu'elle n'a pas de nom. Quand il y a un nom, normalement, c'est une grotte avec un artefact, hein, il me semble. Voilà, 60. On va aller dans le 92, donc un petit peu plus au large. On va prendre de la profondeur. 53, plus par là. Tu me suis? Ouais, bon, on va les taper après. Hein. 57. Salut Nico Clash, comment vas-tu? Ça va bien? Impeccable. 56. Oh là là, attends, il m'envoie. C'est qui m'envoie lui? Attends. Ouais. Alors attends, faut qu'il diminue là. Ça... Voilà, ça y est, diminue. Voilà, 53,1. Voilà, 53, 92. Alors, on pique. On pique du nez. Tu vois les bulles déjà? Alors. Alors, ça. Donc c'est par ici, hein. Tu y es? Je te vois pas. T'es où? Ah, t'es juste en dessous. Ah oui, en effet, je te voyais pas. Voilà, nickel, voilà, 53, 97, 91, 7, voilà, nickel. Allez, moi j'y vais. Donc il y a une petite grotte par ici, vous voyez. Est-ce qu'on peut monter au moins? Grâce à ton basilo, sinon c'est pas évident. Alors normalement c'est le T-Rex, hein. Ouais, une sacrée petite grotte là pour faire une base, là, sympathique, tic. Sympathique Ticos. Alors voilà, on a le T-Rex normalement qui est là. Ouais, c'est ça, le Rex. 53,92, nickel. Allez, on enchaîne sur le 36,92. Bah, il faut monter. Il faut monter. Encore la carte. On reste dans le 92 et le 36, le 36, bah c'est cette côte-là. T'as fait le tour pour voir s'il n'y a pas d'autres coffres? Il y en a qu'un là.
Everyone I've met still refers to them as a Rex or a T-Rex. Bah là, je vais plonger, là. Trying to convince anyone. Bah, je suis dans l'eau maintenant. J'étais toujours dans la grotte. Taming a Tyrannosaurus is without a doubt the goal for any warlord or warring tribe. La sortie, elle est là. Tyrannosaurus is a fierce battle companion. There is a reason Tyrannosaurus. Ah, journée de 12 heures. Terrain C, ouais, j'ai connu moi les journées de 12 heures. Or in this genus, the lord. Ah ouais. Any tribe that manages to tame one. Plus quand la relève elle était pour là, fallait que je me fasse des 13-14 heures, laisse tomber. Ah ouais, 12 heures, c'est beau. Donc on reste au 91 et on va au 36. Donc bah on continue dans la montée. Hein. Il faut le faire. Voilà, c'est ça. Allez, on y go. Ah, il faut les voir les bulles. Ouais, tout à fait, Tony. Hein. C'est sûr que il faut être bien, bien vigilant. Hein. Après, peut-être qu'avec le masque, tu les vois mieux. Je sais pas. Mais sinon, ouais. Alors là, c'est le Titanoboa, le serpent. On va aller le chercher. Alors là, on est en 39. 36, 1, 92, tout rond. 37, 36, le 1. Voilà, hop. Allez, on va au 92, maintenant on plonge. 89. Grotte par là. Des bulles. 92 tout rond. Tu vas voir les bulles toi déjà? T'es où? Derrière le rocher. Ah oui, c'est vrai, il y en a qu'un. Ah, de l'autre côté. Donc ah oui, là ouais, je suis à la limite là. Ah, il y a les bulles là. Ouais, d'accord. Ah, t'es rentré dedans. D'accord, ok. Bon, les bulles, vous voyez, hein, les bulles. Voilà, c'est des bulles comme ça qu'il faut. Donc, je vous fais voir la grotte. 36, 1, 80, 11, 2. Ouais, bon, c'est à côté de la. Voilà. Ah, bah là, j'ai jamais été. Hein. Ça fait 7 ans que je joue. Ça fait. Jamais été là-dedans. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Hop. Alors, normalement, c'est le Titanoboa. Il est là. Typically found voilà. Within the island's Titanoboa, caves, Titanoboa exornita is an aggressive creature that prefers dark, rocky areas. Donc là, c'est bon. This extremely on en a un au 49-11. On en a au 11-22. I believe this adaptation comes from coexisting voilà, with il nous reste plus insects. Que ces deux-là. However, the Titanoboa's venomous bite is so potent that it is known to paralyze far larger creatures. Titanoboa has developed a strange coexistence with other creatures voir, of the island's caves. Being immune to knockout poisons and being unable to pierce the thick chitin of the 49. Insects, the species have learned ah, c'est to coexist. Carrément, en haut, hein. They often tout hunt nord. Large prey together. As they appear immune donc on va continuer à faire le tour. On va faire le tour de la carte. Hein. Is basically impossible to render unconscious. Because this crucial step can't be done, I'm convinced that Titanoboa are not tameable. 49, 11 et après il faudra aller au 11. Ok. 22. Bah oui, il y en a deux là-haut. Ouais, là-haut dans le nord.
Après, faudra. Purée, on est vachement loin après. On s'arrêtera à l'obélisque rouge, on prendra des pteranodons pour aller chercher nos wyvernes. Hein. Parce que là, faut faire tout le tour. Hein. Voilà. Donc là, on va au 49-11. C'est parti. Pour aller chercher le Titanomyrma dans une grotte sous-marine. C'est parti. Bon, elle est où la sortie là? Ah, je vois la tête de, du Basilo. Mélissa, Mélisse divine. On a des tout points de mutu. Alors, on remet ça. Et les palmes, voilà. Allez, c'est parti. C'est bon? Allez, go. Donc là, on va au nord, là où il fait froid. Alors, attends, je cherche la sortie. Ça doit être là, ouais, c'est là. On va remettre le GPS, attends, la carte plutôt avant. Il faut monter, voilà, c'est bon. C'est du tout bon, c'est par là. Alors, 49-11, allez. Encore deux, et puis on fait une caverne, et puis c'est bon. Et puis c'est bon. Après, il faudra tamer les dinos, hein, ce que j'ai pas fait. Alors, sur le Basilo, on n'a pas froid. Qu'on soit au sud ou au nord, on n'a jamais chaud, on n'a jamais froid. C'est tempéré. Hein. Tant qu'on reste sur le Basilo, il n'y a pas besoin de combinaison, hein, il n'y a pas de problème. Ça c'est bien, c'est un bon dino de séance. Hein. C'est le meilleur hein, pour moi. Et ce qui est bien, c'est quand les méduses nous attaquent, et les électropholus là, normalement. Sur tous les dinos, il nous expulse du dino. Celui-là, non. C'est juste le Basilo qui prend les décharges électriques. Hein. Pas nous. Donc ça, c'est bien aussi. Hein. Allez, on y go. Donc je suis bien parti. Là, on est bien parti. C'est cool. Et maintenant, voilà. On va au 49. Hein? Non, pas le 49. 49-3. Attends, là il y a un problème. Une grotte sous-marine 49-3. Attends, là j'ai un problème. Le 49. Ah oui, c'est vers l'obélisque rouge. Donc il y en a un avant alors. 11-22. 11. Ouais, on va au 11-22 plutôt là. Et on finira par le 43 et quelques, il est pas loin de l'obélisque rouge. Ok. Wow! Tu as cette heure là, non? Donc 11-22, c'est carrément à l'autre bout. Oh là, c'est quoi ça? Kaiser? Ah ouais, d'accord. On y était tout à l'heure, non? C'était pas le même. Non, non, c'est pas possible. C'est peut-être Venom là, non? Bon, on arrive au 11, vraiment à l'extrême. Hein. Des 122 maintenant.
Apparemment, il y a des tuzos alpha là, par là. C'est bon, tu suis? Ah, moi je ralentis alors. Comme ça, je récupère de l'énergie. Bon, si on vient sonner, j'arrête pour aller m'occuper de la personne. Hein. Pour l'instant, ça va. Bah, j'attends. Enfin, je vais au ralenti. On va avancer quand même. Hein. Attends. Tu me dis, hein, dès que tu m'as rattrapé. C'est bon? Allez, on met la sauce. Oui, si tu veux, ouais. Pas de problème. Hein. Bon, 55, on va à 22. Donc là, on dit qu'on va avoir le trilobit. Ouais. On va aller chercher le trilo. Là. Et dans trilobit, il y a trilo. Eh oui, c'est pour ça qu'on dit trilo. Pas plus d'énergie que ça, le tien. Sombre là. C'est le réchauffement climatique. Même Arc, ils y ont pensé. Tu vas noircir ton gamma. Ah, on est presque arrivé. Ah 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 ah, 22, pas 32, 22. La map on va l'enlever, 11, voilà. Voilà, 11 tout rond. Et 22. Ah non, jamais tu les trouves sinon. Faut vraiment faire la carte. Des allers-retours, hein? Je suis au 11-24 là. Ça peut t'aider. Ah, ça y est, ouais, je te vois. Je me ralentis. De toute façon, on n'est pas loin là. Voir les bulles. Voilà, c'est là. Donc il faut trouver l'entrée. Il faut trouver l'entrée, elle est en dessous nous. Le coffre. Tu vas sur la droite, je vais sur la gauche, on fait le tour de ce rocher. Là, ah, j'arrive.
c'est bien ce tube-là. Alors normalement, elle a été par ici. T'es où? Ah oui, d'accord, je vois les... Voilà. Donc je vous montre 10, 2, 21, 6. Hein. Voilà. C'est rien ça le plus haut là, tu te pètes au moins de temps. Là. On s'en fout, les gars. Voilà. Et là donc c'est le trilo. Le trilo, il est où le trilo? Il est où le nini? Il est où le coffre? Il est pas là. Ouais, ouais, bah attends. Les petites la grotte quand même, merci. Je vais le trouver quand même. Prends les perles blanches encore, toi. Et là, il est là. Et voilà, impeccable, super bien. C'est le 11-22, le trilo. Bon, je vous laisse, rendez-vous, à tout de suite. Je vais placer la personne, on vient de sonner. À tout de suite.